je suis Tréfina Quérin, donc je me présente sur la 5e circonscription des Côtes d'Armor, donc à Lannion et Paimpol. Et j'ai grandi dans le Trégor, entre Tonquédec, Camlaise et Saint-Gilles-les-Bois, où vivent encore ma grand-mère et ses sœurs. Je suis passée par la filière publique bilingue breton-français, puis par le collège d'Iwand de Plaisidy, avant de m'inscrire au lycée Félix de Dantec à Lannion. Donc c'est à cette période que j'ai commencé à militer au sein du collectif AITA, donc lors de sa création, afin de mettre en place des actions pour défendre la langue bretonne en fait. Donc, j'ai également été membre de Greenpeace plusieurs années, où je militais pour la sortie du nucléaire. Donc, mes études terminées, j'ai dû quitter la Bretagne pour m'installer à Reims, mais je ne m'y sentais pas à ma place. C'est à cette période que j'ai réalisé mon attachement à la Bretagne et à ma culture, et j'ai alors trouvé un emploi d'auxiliaire de vie pour personnes handicapées, et je m'intéresse également aux médecines alternatives, ce qui m'a conduit à entamer une formation en bioénergie, donc basée sur la médecine chinoise et l'acupuncture. Donc de nos jours, beaucoup de jeunes sont malheureusement contraints de s'exiler faute de travail dans la région. La conjoncture actuelle nous pousse parfois vers un choix difficile, carrière prometteuse ou terre de cœur. La Bretagne a pourtant du potentiel, et c'est à nous de l'exploiter. Seul un véritable pouvoir régional nous permettra d'y arriver. Peu de gens savent que le budget régional ne représente en réalité que 4% des dépenses publiques réalisées sur le territoire. Donc c'est pourquoi il est actuellement impossible de gérer correctement les services publics de proximité. De fait, les transports et les hôpitaux en font forcément les frais. Donc l'État français préfère investir des millions d'euros dans la LGV, pour approcher Rennes de Paris par exemple, plutôt que de privilégier la santé sur tout le territoire. Donc nous devons absolument nous mobiliser pour que ça change. Donc ma suppléante, Christelle Desémogère, exerce le métier d'aide à domicile sur Ploua depuis de nombreuses années. Donc elle a eu de nombreuses activités et responsabilités associatives dans la culture, le sport, le social, le syndicalisme et la représentation des parents d'élèves au sein de la FCPE locale, départementale et régionale. Donc la raison de son engagement politique est l'emploi. Donc que les jeunes bretons puissent avoir le choix d'étudier, de vivre et de circuler facilement sur tout le territoire, sans avoir forcément à s'expatrier sur les grandes métropoles. Donc c'est la crainte qu'ils ne puissent pas vivre en Bretagne, faute de trouver du travail, qui la motive. Elle est sensible à la crise de l'agriculture et aux nombreuses tragédies qui touchent le milieu agricole. Elle souhaite une réorientation permettant le maintien d'une agriculture nombreuse et familiale. Donc Christelle Desémogère et moi-même pensons qu'il faut tout faire pour tenter de favoriser l'accueil, la venue et l'installation de nouvelles entreprises, notamment grâce à la transition écologique et aux énergies nouvelles. Donc nous sommes favorables à l'activité touristique, donc à condition de ne pas en faire une mono-industrie. Donc nous nous présentons sur la liste Oui la Bretagne pour réaffirmer le droit à la santé et à l'accès aux soins de proximité de qualité. Donc nous réaffirmons le rôle central de l'hôpital public dans la cohésion sociale et territoriale du pays. Nous souhaitons transférer aux régions les compétences des agences régionales qui ont pour mission de mettre en œuvre et de définir la politique régionale de l'offre de soins hospitaliers et de contrôler leur fonctionnement. Donc nous souhaitons construire une politique de prévention et d'éducation à la santé, s'appuyant sur les réseaux associatifs, les mouvements mutualistes et des agences régionales de la prévention. Donc cette politique aura pour priorité la promotion de la santé par l'information la plus large et la responsabilisation individuelle, le dépistage, la rééducation et l'adaptation, le soutien aux populations défavorisées, la lutte contre les addictions et le suicide, la lutte contre les pollutions de l'eau, de l'air et des aliments. Donc nous souhaitons renforcer les moyens de la médecine du travail et de la médecine scolaire et universitaire, c'est un point essentiel. Il est nécessaire de détecter plus précocement des pathologies qui peuvent conduire à des difficultés, voire à l'échec scolaire, surdité, malvoyance, dyslexie. Il faut également combattre la montée de l'obésité par des actions de détection précoce, de suivi et de conseil. Ça passe par exemple par l'interdiction de la publicité pour les produits alimentaires dans le cadre des émissions télévisées pour les enfants par exemple. Et nous souhaitons évidemment rétablir les soins pour les étrangers en situation irrégulière. Donc la santé doit relever d'un régime universel de protection sociale, tout secteur public et privé et toute génération confondue. L'exemple de l'Alsace et de la Moselle est un exemple très positif puisque le système de santé distinct du système français global y est équilibré pour un meilleur service rendu. En Alsace, en plus de la sécurité sociale de base, une assurance complémentaire obligatoire renforce la protection des cotisants. Le taux de couverture de base en Alsace-Moselle est d'environ 90%, donc 81% pour les médicaments remboursés contre 35% ailleurs en France. Et de 100% pour l'hospitalisation, donc pas de forfait journalier. Donc ce régime complémentaire obligatoire est équilibré et payé uniquement
par des cotisations supplémentaires établies à 1,5% du salaire brut au 1er janvier 2012. Étant adossé au régime de base obligatoire, son surcoût en fonctionnement est limité à 1%, donc contre 24% pour les assurances complémentaires sur le reste du territoire. Les particuliers sont donc mieux protégés pour un système moins coûteux. Par ailleurs, du fait de l'existence du régime local obligatoire de sécurité sociale, les mutuelles sont moins chères en Alsace-Moselle que dans le reste de la France. Donc si je suis élue députée, je proposerai une modification de la Constitution française pour permettre à la Bretagne de se doter d'un statut d'autonomie sur le modèle du Pays de Galles et de l'Écosse. Une Bretagne autonome pourra mettre en place un système de sécurité sociale particulier, semblable à celui de l'Alsace-Moselle, plus protecteur que le système en vigueur aujourd'hui en France. Donc les 11 et 18 juin prochains, votez pour un système de santé, un système plus proche de chez vous, plus protecteur, moins coûteux. Votez oui la Bretagne, braise et le juste.